Un jour, un homme sortit pour semer. Et tandis qu'il semait, du grain tomba sur le chemin, il fut piétiné. Et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une partie tomba parmi les pierres. Et après avoir poussé, elle dessécha par manque d'humidité. Une autre partie tomba parmi les ronces. Et les ronces levèrent avec le grain et l'étouffèrent. Mais une partie tomba en bonne terre. Et les grains germèrent et produisirent du fruit. Chaque grain en donna 100 autres. Maître, dis-nous, pourquoi parles-tu en parabole devant les foules ? Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici le sens de cette parabole. Le grain est la parole de Dieu. Le grain tombé au bord du chemin sont ceux qui entendent. Mais ensuite, le diable survient et enlève cette parole de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Le grain qui tombe en terre pierreuse représente ceux qui reçoivent la parole et en sont joyeux. Mais elle ne prend pas racine. Pendant un moment, ils croient. Mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent tout. Ce qui est tombé dans les ronces sont ceux qui entendent, mais se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Leurs fruits ne mûrissent jamais. Et le grain tombé en bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon et qui la retiennent. Leur persévérance portera ses fruits.